Bonsoir à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution par Madame Mathilde Panot et 74 membres de l'Assemblée, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement, pouvez-vous nous indiquer si Madame la Première ministre nous rejoint et que nous l'attendons ou si nous pouvons commencer? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Donc, je vais donner la parole à Madame Caroline Fiat pour le groupe La France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, je ne salue pas Madame la Première ministre qui a peut-être déjà fui le combat. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'obstruction, chers collègues, je commence comme je veux, c'est la démocratie, chers collègues. J'apprends par voie de presse que le gouvernement et sa minorité présidentielle auraient un certain ras-le-bol des motions de censure de mon groupe parlementaire. J'ai un indice pour vous. Cessez d'utiliser le 49-3 et vous cesserez d'avoir des motions de censure dans cet hémicycle. Tant que vous banaliserez le 49-3, vous aurez des motions de censure. C'est la première fois en 30 ans que nous avons un 49-3 sur un PLFSS. La temporalité de cette motion de censure est particulière, car hier soir, nous avons assisté à la débâcle. La débâcle d'un parti minoritaire qui a donné à voir une piètre image de lui-même. Non, Monsieur Braun, ce n'est pas une image choquante de l'Assemblée nationale, c'est une image inadmissible du gouvernement que nous avons vu hier. Nous étions habitués à vos bassesses, à votre malhonnêteté, mais joint à la panique de votre minorité arithmétique, vous avez laissé voir ce qu'il y a de pire en vous. Même sur une niche parlementaire, vous avez regorgé d'artifices et d'imagination pour empêcher le vote du texte sur la réintégration des personnels non vaccinés. Du jamais vu depuis le début de la Ve République. Vous avez déployé des manœuvres démesurées pour mettre un terme au débat. Vous êtes méprisant envers le peuple et sa représentation. Vous n'avez aucun état d'âme à laisser des femmes, des hommes, des familles dans le plus grand désarroi. Vous parlez d'éthique, vous n'en avez aucune. Vous en appelez à l'altruisme, vous ignorez le sens même de ce mot lorsqu'il ne concerne pas votre vivier d'électeurs ultra-riches. Ces vérités sont d'autant plus flagrantes lorsqu'il s'agit de nos compatriotes d'outre-mer. Peu importe ce qu'ils endurent, vous feignez toujours de l'ignorer. Certains, hier soir, avaient fait 23 heures de voyage pour représenter leur peuple. Vous n'avez même pas eu une once d'empathie pour eux. Vous avez fait pression sur des députés pour qu'ils ne retirent pas leurs amendements. Vous avez déposé des centaines de sous-amendements, tous plus ridicules les uns que les autres. Puis, nous avons vu arriver M. Véran, fanfaronnant comme à son habitude et très fier d'être sorti de son lit pour user de manœuvres dilatoires. S'il vous plaît. Aurait-il fallu peut-être expliquer à M. Véran qu'il n'est plus ministre de la Santé, qu'il a été remplacé? Doit-on lui rappeler aussi que c'est sous son exercice en tant que ministre de la Santé que des millions de gens ont été confinés, que des soignants ont travaillé dans des conditions pitoyables, que nous n'avions pas de vaccin en temps voulu, que les séquelles de la piètre gestion de la crise Covid vont marquer nos enfants pour des années? Je ne vois vraiment pas de quoi ils pouvaient être fiers. Et ce matin, Emmanuel Macron ose expliquer, je le cite, « Nous ne serions pas ravis si un parent attrape le Covid via un soignant non vacciné. » Peut-être n'est-il donc pas au courant qu'aujourd'hui, des personnels potentiellement Covidés sont déjà au contact de nos parents,
comme toujours, pour défendre des décisions ubuesques, vous oubliez la moitié des faits. Ou alors, vous vous retranchez derrière le conseil scientifique, une haute autorité, le conseil national d'éthique ou toute autre instance, pourvu que vous puissiez dire que la décision ne vient pas de vous. Mais si vous refusez de prendre des décisions politiques, pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites ici ? Voilà une raison de plus pour censurer ce gouvernement. Au sein de cette Assemblée, une majorité s'est dessinée pour voter le texte sur la réintégration. Mais peu vous importe, vous préférez avoir raison contre tous et utiliser l'obstruction pour pallier votre impréparation et votre manque de clairvoyance sur le sujet. Face à votre refus de prendre les bonnes décisions pour notre pays, nous ne vous lâcherons pas. Ce texte fera son retour dans cet hémicycle d'une façon ou d'une autre. Passer la colère de ne pas pouvoir faire voter ce texte pour réintégrer des personnels dans nos services publics qui ont tant besoin face à votre casse généralisée, je le dis ce soir avec beaucoup plus de sérénité. La réalité, c'est que nous avons assisté au spectacle pathétique d'un parti présidentiel mis en déroute. Les Françaises et les Français vous ont vu et cette motion de censure a soudainement pris une autre tournure. Face au franchissement de lignes rouges, nous n'écouterons plus vos élucubrations sur le changement de méthode ou les potentiels compromis. Vos actes sont bien loin de vos paroles. En quelque sorte, tant mieux. Cela continue de nous confirmer votre perdition. Vous utilisez des procédés bâillons pour nous empêcher de délibérer et ne pas dire la vérité aux Françaises et aux Français. Madame la Première ministre, que je salue, qui vient d'arriver, vous avez accusé notre présidente Mathilde Panot de mentir lorsqu'elle a alerté sur une potentielle réforme des retraites dans le PLFSS en précisant que l'amendement retraite n'était plus dans le texte. Mensonge. Il est en effet dans la partie sur laquelle nous allons peut-être, je dis bien peut-être, débattre tout à l'heure. Or, une fois le 49-3 passé, chacun sait ici que vous décidez seul de la version finale du projet de loi. Notre alerte est donc amplement justifiée et au regard du spectacle auquel nous assistons, nous n'avons absolument aucune raison de vous faire confiance. Nous vous parlons de décès sur des brancards, morts au travail, fonctionnaires en souffrance, maltraitance de nos aînés, mais rien ne vous fait dévier de votre route. Vous cherchez à dissimuler votre casse de la sécurité sociale et de notre système de santé par quelques mesures d'apparence. Mais vos faux-semblants ne trompent plus personne. Vous refusez sciemment de trouver des solutions, puis vous voulez faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous répétez sans cesse qu'il n'y a pas d'argent magique. Mais pourtant, pour une petite, très petite minorité vivant dans l'opulence, la magie opère chaque jour. Le financement du système de santé, soi-disant en hausse, mensonge. Il n'atteint même pas le niveau de l'inflation. En clair, les hôpitaux vont devoir faire des économies et nous entrevoyons le pire lorsque nous regardons les prévisions puisque ce PLFSS devrait être le plus généreux du quinquennat. La vérité, c'est que vous ne prévoyez rien de véritablement salutaire et indispensable pour nos concitoyens. Rien pour résoudre durablement la crise des urgences et de l'hôpital. Rien pour lutter efficacement contre la pauvreté. Rien pour construire un service public de la petite enfance. Rien pour mettre un terme aux dérives des EHPAD à but lucratif et pour un véritable service public de la dépendance. En attendant, la France est devenue un désert médical géant. Nos concitoyens sont privés de services d'urgence. Beaucoup n'ont pas de médecin traitant et renoncent à se faire soigner. C'est faux, ça ? Non. Le Covid a mis en lumière le tri des patients qui existe en réalité depuis longtemps et nous assistons désemparés même au tri des plus petits atteints de bronchiolite. Une honte. Vous vivez dans un monde qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas celui de millions de gens. Vous n'êtes que les pantins d'un système bien plus grand que vous, mais pour garder le pouvoir, qu'importe. Vous êtes prêts à tout. Vous créez insidieusement le chaos pour maintenir les gens dans la peur. C'est une méthode bien rodée. Mais malheureusement pour vous, nous sommes plus déterminés que jamais à changer les choses. L'affolement que vous avez montré hier face à un texte transpartisan qui ne venait pas de vous nous prouve une chose. Votre effondrement est en marche. Peut-être pas ce soir, peut-être pas grâce à cette motion,
Mais chaque avancée compte. Les gens n'ont plus confiance en vous, cette assemblée de moins en moins. Pour dire stop à l'hypocrisie, pour dire stop aux caricatures, pour dire stop à vos mensonges, pour dire stop au 49-3 et pour dire stop à l'obstruction gouvernementale, je suis très fière d'avoir défendu cette motion de censure ce soir. Je vous remercie. La parole est à monsieur Yannick Neuder pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, je ne peux pas commencer ce discours sans évoquer la situation chaotique que nous avons vécue hier soir dans cet hémicycle et comment la proposition de la députée Fiat n'a pas été traitée correctement. Le groupe Les Républicains est consterné par le comportement de la majorité et du gouvernement et nous posons nos mots. Après avoir agité la menace de la dissolution, activé 5 fois le 49-3, traité l'opposition comme quantité négligeable, voilà que sur les bancs de la majorité minoritaire, le petit jeu de l'obstruction parlementaire, jadis dénoncé, jadis condamné, est maintenant bien en marche, faute de réelle majorité. C'est une attitude qui constitue un véritable déni de démocratie. Une journée de niche, quelle que soit sa couleur politique, doit suivre son cours, doit permettre de donner la parole à l'opposition, que ça vous plaise ou non, mes chers collègues. Ça ne présage rien de bon pour nos futurs débats. Vous qui appeliez au dialogue et à la conciliation cet été, je crois que c'est parfaitement réussi. Notre président Olivier Marleix l'a clairement dénoncé hier soir. C'est une première sous notre 5e République. Cette même République et sa représentation nationale brutalisée par cette majorité. Que de cynisme, que d'irrespect pour nos institutions. Sur le fond, revenons donc sur la question de la réintégration des soignants. Madame la Première ministre, la question n'est plus de savoir s'il faut les réintégrer ou pas, mais quand et comment. Sur le quand, gagner du temps avec l'obstruction parlementaire est totalement inutile. Sur le comment, monsieur le ministre, madame la Première ministre, je vous demande solennellement, saisissez la Haute Autorité de Santé, mais pas pour habiller une décision politique en décision scientifique, mais pour que l'HAS établissent clairement un calendrier, un protocole clairement établi de sortie de cette situation ubuesque où, je le rappelle, nous sommes un des derniers pays d'Europe. Sortons tous ensemble, collectivement, par le haut de cette situation. Revenons maintenant à nos débats. Comme mes collègues et moi-même l'avons expliqué lors de notre discussion générale, avant d'exposer notre position sur cette motion, en l'état, il n'est toujours pas question pour le groupe Les Républicains de voter le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2023. C'est clair, net et précis. Notre avis est toujours le même, celui d'un groupe d'opposition en accord avec sa ligne de conduite dans l'intérêt des Français. Cette position s'affirme d'autant plus que le chaos sanitaire s'est aggravé dans notre pays. Bronchiolite, tension sur la pédiatrie, pénurie de paracétamol, maintenant d'antibiotiques, grève des internes, déprogrammation et grève des laboratoires de ville. Je trouve dommage que ça vous fasse rire, monsieur le ministre. Face à cette situation inédite, avec un gouvernement au pied du mur, pris de court, toujours en retard, votre texte a bénéficié de certains rectificatifs bienvenus de la part des sénateurs, mais vos mesures restent insincères, contestées sans aucune forme d'ambition. Rappelons quelques-unes des défaillances de votre projet de loi. Vos prévisions de budget de la santé restent toujours inférieures à l'inflation. Certes, le Sénat a consenti à remettre de l'ordre pour cette année. Certes, l'hôpital a réussi à réanimer le peu de raisons de ce gouvernement, vous poussant à une rallonge de 543 millions d'euros pour 2022. Mais tout ceci rappelle curieusement les correctifs que nous appelions de nos voeux en première lecture. Ces 543 millions que vous refusiez en nous accusant de jouer avec l'argent et les branches, alors que vous opposiez médecine de ville, médecine d'hôpital, que vous opposiez le privé et le public et que vous opposiez les branches entre elles. Ces 543 millions que vous accueillez désormais les bras ouverts et dont vous semblez vous attribuer même le mérite.
Dans les faits, sur le terrain, les charges sur les établissements de santé ne cessent drastiquement d'exploser. Ne parlons même pas des économies de bout de chandelle sur la biologie qui menace 400 laboratoires de proximité. Mes chers collègues, nous ne nous y trompons pas, ce budget de la sécurité sociale est une grande passoire. Des trous sur la branche famille, des trous sur la branche autonomie et évidemment le trou béant de la branche retraite. Il est aussi émaillé de gouffres, gouffres en matière de souveraineté sanitaire alors que nous plongeons dans une crise de pénurie de médicaments, gouffres aussi dans la recherche d'une réponse au manque d'attractivité de nos hôpitaux et de nos EHPAD, gouffre encore avec cette quatrième année de médecine, critiquée même dans les rangs de votre majorité. Alors nous y voilà, un énième 49-3, une énième justification fumeuse. Cette fois-ci, le gouvernement nous fait le coup des délais. Alors oui, c'est vrai, la Constitution oblige le Parlement à examiner le PLFSS sous un délai de 50 jours. Il nous restait donc jusqu'au 3 décembre pour débattre. Vous privez donc en conscience la représentation nationale d'un débat vital. Vital, oui, car nous parlons de la santé de nos Français. Un abus de 49-3, mon collègue Thibault Bazin vous l'a déjà dit, ça nuit gravement à notre démocratie parlementaire. Cela l'avait déjà été très bien dit par notre collègue Michel Tabarot en première lecture. Nous préférons l'action au blocage. Et nous ne voterons donc pas cette motion qui mènerait tout le monde droit dans le mur. En juin dernier, les Français nous ont accordé leur confiance et leur suffrage pour agir. Ils veulent des députés à leur écoute, pas en campagne permanente. Ils veulent qu'on respecte le mandat pour lequel ils nous ont élus, pas qu'on remette sur la table une élection qui coûterait des centaines de millions d'euros. Ils veulent que nous soyons au rendez-vous des urgences, pas au rendez-vous des manœuvres politiciennes. Mes chers collègues, il ne me semble pas que la situation ait changé depuis octobre, malgré les efforts de communication de l'exécutif. Notre pays fait face à un défi énergétique que nous aurions pu éviter sans le saccage gouvernemental qui nous a fait perdre notre souveraineté énergétique. Le monde médical est en ébullition, il vous adresse une dernière main tendue que vous semblez totalement ne pas saisir et la guerre menace toujours aux portes de l'Europe. Nous devons donc mettre notre énergie non pas au service du désordre, mais pour remettre de l'ordre. Avec de la même manière, ici et maintenant, de l'ordre pour garantir la pérennité du système de retraite et des pensions, pour aller plus vite et plus loin pour endiguer la crise d'autorité de notre pays, pour corriger les erreurs d'un gouvernement qui a détruit l'indépendance énergétique de notre pays, pour refonder notre système de santé au-delà des rallonges budgétaires avec une nouvelle loi santé, pour rendre à l'État sa pleine efficacité avec un véritable plan de simplification administrative, enfin pour aller plus loin dans la décentralisation. Voilà donc pourquoi nous avons fait le choix de ne pas soutenir cette motion qui pourrait plonger la France dans d'immenses difficultés. Toujours dans un esprit d'indépendance et en toute responsabilité, nous rappelons que cette position ne constitue en aucun cas, Madame la Première Ministre, un blanc-seing pour votre gouvernement. C'est d'ailleurs pourquoi, sur un certain nombre de textes de première importance pour nos compatriotes, nous n'hésiterons pas à voter, voire à déposer une motion de censure le jour où ce sera dans l'intérêt de notre pays. Mais aujourd'hui, nous poursuivons notre combat pour améliorer le quotidien des Français. Comme nous avons déjà réussi à le faire depuis cet été, en n'étant pas la béquille d'Emmanuel Macron, d'ailleurs il n'y aurait pas de 49-3, mais en orientant les textes et donc la politique de votre gouvernement, sans blocage institutionnel, qui certes se poursuivent sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, mais pas dans le portefeuille des Français, ni dans leur assiette. Les fossoyeurs sont ailleurs, ne réécrivons pas l'histoire, faisons-la. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Merci, Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Santé, mes chers collègues. Si ce n'était un sujet aussi grave que celui de la sécurité sociale, de ses branches, n'oublions pas un héritage partagé, un héritage commun, fruit de la résistance, un modèle unique, unique en Europe, unique dans le monde. Eh bien, on ne pourrait en parler avec légèreté, mais là, on doit en parler avec gravité.
Je reviendrai une seconde, chère Caroline Fiat, si j'ai beaucoup apprécié, je vous le dis, je l'ai dit à des collègues, votre témoignage à un moment hier de la soignante face à cette pandémie, et je me suis retrouvé dans vos mots, je me suis moi retrouvé dans vos mots tout à l'heure, parce que je sais que vous êtes capable, lorsque l'essentiel est en jeu, comme vous l'avez très bien fait sur la mission sur les EHPAD, travailler avec des membres de la majorité pour faire en sorte qu'on trouve des propositions constructives. Et je voudrais juste vous dire également, mais avec beaucoup de calme et sans esprit polémique, je n'ai pas compris pourquoi votre groupe politique hier, dans l'ordonnancement des niches, puisque c'est vous qui avez la main pour organiser cette journée, vous n'ayez pas démarré par, naturellement, la réintégration des personnels soignants. On aurait eu toute la journée pour pouvoir en discuter. Cela m'a un peu surpris. Il est vrai que vous souhaitiez démarrer par le pouvoir d'achat et on s'est retrouvé avec une proposition de loi sur l'IVG pour le constitutionnaliser. Et là, d'ailleurs, ça a été un moment dont vous m'accorderez que c'était un moment partagé pour cet hémicycle, puisque sur tous les bancs, nous sommes arrivés à un consensus le plus large. Ce qui démontre que il faut laisser, je pense, les manœuvres à un moment ou à un autre. Mais je souhaite, chère Caroline Fiat, et je vous le dis dans les yeux, qu'à un moment ou à un autre, on puisse avoir un débat de fond sur les sujets de vaccination. Et là, je suis persuadé d'une chose, c'est que l'objectivité dans vos propos rencontrera la mienne et celle très largement de l'ensemble des membres de cet hémicycle. Alors, évidemment, un 49-3. Un 49-3, c'est toujours ressenti pour un parlementaire comme une forme de brutalité, mais je permets de rappeler à notre collègue Neuder qui appartient aux Républicains. Il connaît parfaitement la façon dont a été élaborée la Ve République et la Constitution par Michel Debré. Je ne voudrais pas avoir la violence de rappeler d'ailleurs les mots de Michel Debré lorsque Simone Veil était à la place de Franck Riester à côté de Jacques Chirac, Premier ministre, des mots extrêmement violents qui avaient été prononcés contre elle en 1975 lorsqu'elle portait cette voix courageuse pour faire en sorte que les femmes puissent avoir le droit à disposer de leur corps. Moi, je n'ai pas oublié tout ça. Et je voulais vous dire, cher collègue Neuder, que d'ailleurs, ça a été extrêmement à charge, votre propos, pendant quelques minutes, puis après, vous vous êtes rendu compte qu'on ne pouvait pas suivre naturellement les insoumis sur cette motion de censure. Alors, évidemment, je m'adresse au ministre de la Santé, en lui disant, cher ministre de la Santé, que, et vous l'avez dit vous-même, c'est un budget de transition, mais pensons, chers collègues, l'héritage qui est le nôtre. Et quand je lis d'ailleurs Caroline Fiat, dans le texte de votre motion de censure, je prends un seul exemple, tellement il a déstructuré complètement l'hôpital français. C'est la fameuse taxe, la tarification à l'activité, élaborée entre les années 2012 et 2017. Je sais l'arme de destruction massive que cela a pu représenter dans l'ensemble de l'organisation hospitalière française. Et que je sache, entre 2012 et 2017, eh bien, c'était un gouvernement de gauche qui était en responsabilité. Alors, que la maquette soit imparfaite, bien sûr. Que la maquette soit améliorée, évidemment. Je regarde le ministre en charge de nos aînés et là encore, ayons, je crois, la modestie de rappeler que cette loi grand âge annoncée depuis tant d'années, où est-elle? Mais reconnaissons quand même, chère Caroline Fiat, que le seul gouvernement qui a eu le courage en 2016 de faire en sorte que l'on puisse établir les prémices et après, eh bien, la cinquième branche a été créée dans le quinquennat d'Emmanuel Macron et nul ne peut s'opposer à cela. Alors, je vais vous dire que dans ce budget, moi j'ai des regrets, mais je salue aussi les avancées. Ce qu'on va faire en matière de prévention est une avancée considérable, Monsieur le Ministre. Je vous invite à aller plus loin et notamment à s'occuper également de la prévention chez les enfants, tant on sait que malheureusement, la santé des enfants est souvent en péril, faute justement des personnels soignants sur les territoires. Les avancées, vous voyez, on a eu cette loi constitutionnelle hier, sur la proposition de votre présidente qui est là. Je rappelle que la pilule du lendemain, eh bien, elle figure là-dedans. Le meilleur recouvrement, on le sait, pour les familles, pour les allocations familiales, c'est quelque chose qui est dedans. Quelques avancées aussi. J'aurais souhaité que ça aille tellement plus loin quand on connaît mon caractère sur ces questions-là, notamment d'accès aux soins ou le cumul emploi-retraite.
Enfin, nous avançons. Et donc, monsieur le ministre, je vous implore que sur les Padhue, on puisse trouver des solutions de manière à ce que ces 10 000 Padhue qui existent et pour lesquels il y en a au moins 2 500 ou 3 000 mobilisables, on arrive demain à leur proposer de travailler pour l'hôpital public ou pour la sphère privée. Arrêtons ces silos qui ne servent à rien. Si la médecine marche mal à l'heure actuelle, c'est parce qu'elle est en silo. Et comme elle est en silo, on ne se parle pas. De la même façon, chère Caroline Fiat, que sur une piste d'athlétisme, les membres ne se croisent jamais, il faut en sortir. Alors, mes chers collègues, je vais vous dire, Madame la Première Ministre, que vous pourrez compter sur le groupe démocrate. Merci de votre écoute sur les médicaments. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons entendu sur des pénuries d'amoxicilline ces derniers jours, même si le ministre nous a rassurés dimanche dernier, ça veut dire que la réappropriation de l'industrie pharmaceutique, il faut absolument la conduire, Monsieur le Ministre. C'est pour vous un enjeu considérable et on compte sur vous pour y arriver. La deuxième chose, au-delà de l'accès aux soins, naturellement, c'est le grand âge. Et sur ce grand âge, j'espère qu'on pourra dégager, il y a 3 000 créations de postes en 2023, certes, il faut aller plus loin, on en convient tous, mais combien avait été créé Caroline Fiat en 2016? Voulez-je vous redonne le chiffre? C'est deux fois moins. Alors moi, je suis très à l'aise. Vous dire simplement qu'il nous appartient de réorganiser notre système de santé. Et je vais vous dire, Madame la Première Ministre, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les Ministres, quelques lignes un peu qui sont les nôtres, des lignes de force pour faire en sorte que ce système de santé soit plus efficient. Le problème, mes chers collègues, ce n'est pas uniquement un problème de moyens. 550 milliards, comparez-le. J'ai fait ce travail de comparaison avec tous les pays de l'Union européenne et des pays qui nous entourent, avec une meilleure efficience. Chers collègues Neudert, vous l'avez dit tout à l'heure, arrêtons d'avoir, et la crise Covid a été un formidable révélateur, et on doit ça à nos personnels soignants, tous les Français qui les ont applaudis à 20h, on leur doit de la dignité, on leur doit ce travail de reconstruction de l'ensemble du système de santé. Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent entre Santé publique France, la DGOS, la Direction générale de la santé, les différentes ARS? Mais ça devient totalement... Il y avait même, vous vous en souvenez tous, les doubles comptes le week-end, parce que le week-end, lorsqu'on mourait en EHPAD, ce n'était pas la même agence qui transmettait au ministre. Je dis la vérité. Il faut réformer cela en profondeur. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, et je parle sous le contrôle de la Première Ministre. Madame la Première Ministre, je pense qu'il faudrait, pour notre hôpital et le système de santé plus largement, que l'on soit capable d'avoir une loi de programmation sanitaire sur plusieurs années, avec des clauses de revoyure, avec des évaluations, pour voir les besoins, l'adaptation aux besoins, de manière à ce qu'on apporte une réponse puissante et que ça permette d'entraîner largement l'ensemble des parlementaires, sénateurs et députés sur des objectifs à atteindre. Une troisième chose, c'est une réforme de l'État qui devient omnipotent, totipotent, trop centralisé. Et lorsqu'il y a ce centralisme, au bout d'un moment, l'efficacité n'est plus au rendez-vous. Appuyons-nous sur ce qui se passe dans les territoires. Vous avez un très bel exemple. Agnès Firmin-Lebaudot les connaît très bien. Ce sont les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé. 34% du territoire national est actuellement maillé. À chaque fois, ça se passe bien. C'est là où on invente des soins non programmés. C'est là où on a des réponses que l'on peut apporter. J'avais ma directrice d'hôpital au téléphone en venant ici tout à l'heure, qui me confirmait cette osmose toujours plus forte entre la ville et l'hôpital. Allons-y, Monsieur le Ministre, et allons-y fortement. Les collectivités territoriales, vous êtes tous attachés aux collectivités territoriales. Donnons plus de compétences à nos départements. Je le dis au ministre en charge du grand âge, parce que le bien vieillir, c'est une exigence par rapport à ces générations et nous devons l'apporter. Par rapport aux régions, allons plus loin sur la formation. Nous avons voté, Madame la Première Ministre, un texte sur la VAE il y a quelques jours. Donnons aux régions cette capacité d'aller plus loin. Donnons-leur aussi la capacité de travailler un peu comme dans les cadres des contrats de plan État-région, de manière, Christophe Béchu est là, de manière à ce qu'en matière de santé, État et région se mettent naturellement en lien pour se donner des grands objectifs. Marc Fesneau le sait très bien, dans la région qui nous est chère, eh bien, la plus désertifiée de France, on serait capable, avec la région, d'apporter de meilleures réponses. Alors, cette gouvernance des hôpitaux, il faut la revoir avec aussi une exigence, parce que personne n'en parle. Et pour moi, c'est une question de démocratie sanitaire. Il y a une loi qui a été votée, vous en souvenez, en 2002. Mais tout le monde l'a oublié. Et elle dit quoi, la loi de 2002? Elle dit que le patient, on doit le mettre aussi au cœur du fonctionnement de nos hôpitaux. Donc cessons d'avoir ces hôpitaux uniques. Chère Caroline Fiat, je vous ai parlé avec le plus grand calme et je continuerai de le faire jusqu'à la fin de mon intervention. Chère Caroline Fiat, vous qui aimez bien... J'ai le temps encore. Vous qui aimez bien
être au cœur de l'organisation des soins. Simplement, je propose que l'on puisse inciter les patients qui ont une expérience au vu de leur hospitalisation, au vu de leur parcours de soins, dans cette gestion, de manière à ce que, à côté des médecins et du corps médical, à côté des administratifs, les patients puissent avoir un rôle absolument central. Il s'agit de l'efficience, il s'agit naturellement de ce que nous devons, parce que le mot « sécurité sociale », ça n'est pas n'importe quoi, il y a le mot « sécurité » qui est un mot très puissant, et « social », eh bien, c'est naturellement l'arc-en-ciel de tout ce qu'on doit apporter en termes de solidarité. Je voudrais terminer par de l'enthousiasme et de l'espérance, parce que je suis persuadé, mes chers collègues, que par-delà nos différences, lorsqu'il s'agit du plus gros budget, les 550 milliards, Gabriel Attal ne m'en voudra pas, c'est plus que le budget général du pays. Lorsqu'on a un tel budget à gérer, eh bien, on doit s'y fixer ses objectifs. Et ces objectifs, ils doivent se faire sur une nouvelle architecture. Et cette nouvelle architecture, Madame la Première Ministre, nous la porterons avec vous si vous souhaitez que nous allions sur ce chemin. En attendant, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible du groupe démocrate. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Stéphanie Rist pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, nous voilà une nouvelle fois réunis dans cet hémicycle pour entendre et débattre d'une nouvelle motion de censure déposée par la France Insoumise sur la deuxième lecture du PLFSS. Je souhaiterais dans un premier temps exprimer ma profonde déception ressentie à la lecture de votre motion de censure. Vos mots, vos propos me sont apparus comme un véritable affront fait à l'égard de vos collègues commissaires aux affaires sociales et plus largement à l'égard de tous les parlementaires qui se sont impliqués sur ce projet de loi. Afin que nous puissions avancer ensemble sur les sujets d'importance que sont l'accès aux soins et l'autonomie, j'ai souhaité la création de groupes de travail transpartisans sur cette question. Cette initiative a porté ses fruits et plusieurs mesures figurent dans ce PLFSS procèdent de la volonté conjuguée de l'ensemble de nos bancs, qu'il s'agisse de l'élargissement des fonctions des infirmières en pratique avancée ou de l'indexation du tarif socle pour les aides à domicile. Ce travail conséquent s'est aussi traduit au travers de nos auditions et de nos débats en commission, puis en séance publique. Nous avons mené 42 auditions et tables rondes. Nous avons entendu tous les représentants des acteurs qui souhaitaient porter à notre connaissance leurs préoccupations, leurs propositions. Nous avons débattu plus d'une trentaine d'heures en commission des affaires sociales, dans la sérénité et l'écoute mutuelle. Nous avons examiné les quelques centaines d'amendements déposés sur ce texte en commission. 1024 amendements ont été discutés pour être parfaitement précises. En séance publique aussi, le débat a eu lieu. Preuve en est, les dizaines d'amendements des oppositions qui ont été adoptés, puis retenus dans le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité en première lecture. Depuis le mois de septembre, nous sommes majorité et opposition à la tâche et vous souhaiteriez, au nom du fantasme d'un déni de démocratie, nous priver du fruit de ces débats, de ces échanges, de ce travail. Je regrette que la tonalité de nos débats ait été si différente en commission et en séance publique. J'y vois là, avec un peu de désarroi, la démonstration d'un jeu politicien prenant le pas sur la responsabilité qui nous incombe. Vous fustigez dans votre motion de censure un gouvernement irresponsable qui piétine de nouveau la procédure parlementaire. Je vais me permettre quelques interrogations. Où est le camp de l'irresponsabilité ce soir ? Vous dénoncez notre inaction pour répondre de façon efficace à la problématique des déserts médicaux qui touche chacun de nos concitoyens. Pouvez-vous alors me confirmer que vous vous opposez bien aux mesures d'exonération de cotisations retraite que nous avons introduites pour que les médecins puissent exercer au titre du cumul emploi-retraite, comme nous l'avons fait durant la crise sanitaire ? Une disposition efficace, immédiatement, qui permettra de répondre de façon transitoire à la pénurie de médecins dans nos territoires et qui, de plus, est attendue par les professionnels. Vous faites état de la situation très préoccupante des patients liés à la crise de la pédiatrie dans nos services hospitaliers. Là aussi, pouvez-vous me confirmer que vous opposez au plan d'action que le gouvernement a mis en place et que vous refusez ce soir, en jouant le jeu de l'obstruction, que soit voté un texte qui porte plus de 400 millions d'euros de crédits supplémentaires destinés à faire face à cette crise. Pouvez-vous me confirmer enfin que quand
par le vote de cette motion, vous vous opposez à la prolongation du dispositif d'exonération de cotisations patronales pour l'emploi de salariés agricoles occasionnels demandeurs d'emploi, une mesure qui permettra de donner plus de visibilité aux agriculteurs et de soutenir la compétitivité des exploitations. Vous évoquez également les risques de pénurie de médicaments. Je sais que cette question de l'industrie pharmaceutique en France est souvent pour vous un objet politique. Pouvez-vous donc me confirmer que vous vous opposez à la réalisation d'un rapport du gouvernement relatif à l'état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France ? Certes, nous ne convergerons pas sur notre vision de réforme du système de santé. Mais par le dialogue, nous avons réussi à trouver des solutions concrètes sur des sujets majeurs et urgents pour nos concitoyens, et ce, en dépit de nos divergences politiques de fond. Par le dialogue, je forme le vœu que nous puissions continuer à avancer ensemble sur de très nombreux sujets qui animent les professionnels de santé et nos concitoyens. Je ne souhaite pas y revenir de façon exhaustive, et vous le savez, mes chers collègues, les apports de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale sont nombreux et ne se cantonnent pas à des strictes mesures d'orientation budgétaire. Dans les conditions qui nous réunissent ce soir, j'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous. Comme je m'étais engagée, j'ai veillé à ce que les avancées réelles apportées tant par la majorité que les oppositions soient maintenues dans ce texte. C'est désormais à vous de faire votre part du chemin afin que nous puissions continuer à avancer ensemble dans l'intérêt de nos concitoyens, de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Vous l'aurez compris, le groupe Renaissance ne votera pas votre motion de censure déposée par le groupe de la France Insoumise. Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à monsieur Frédéric Valtoux pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues, 5-3 ce soir. Ces deux chiffres pour évoquer le résultat d'un des matchs de la Coupe du Monde de football qui se joue en ce moment, mais à une heure où des millions de Français se passionnent pour le match du soir, nous, à quelques-uns ici, nous nous consacrons à une partie dont l'issue, contrairement aux parties qui se passent là-bas, me semble écrite d'avance. Alors que signifie ce 5-3 ? Eh bien, nous le savons, rien d'autre que la frénésie qui a saisi depuis peu le groupe LFI avec ses 5 motions de censure déposées en un mois seulement, et cette troisième pour le seul PLFSS. Quelle glorieuse performance ! D'autant plus qu'à chaque étape de ce marathon d'émotions, force est de constater, chers collègues de l'extrême gauche, que vous êtes de moins en moins nombreux dans la partie. Il y en a qui partirent 500 et qui, par un prompt refort, se virent 3000 en arrivant au port. Vous, c'est exactement le chemin inverse que vous empruntez. Unis comme un seul homme à 151 co-signataires pour votre première motion de censure il y a un mois, les effectifs fondent comme neige au soleil. Plus le temps passe et plus certains se lassent. Plus le temps passe et plus certains dans votre propre rang s'agacent. Ce n'est plus la NUPES des premiers temps, la NUPES flamberge au vent qui part à l'assaut du gouvernement, mais aujourd'hui nous avons affaire à une phalange mélenchonienne et pavlovienne qui, pour la 5e fois, nous resserre cette même rhétorique jusqu'au boutiste qui confine au radotisme, pourrait-on dire, si le mot existait. Une phalange mélenchonienne et pavlovienne lâchée par ses alliés lassés. Reconnaissez, mesdames et messieurs, les co-signataires de cette 5e motion de censure et de cette 3e sur le PLFSS, qu'autour de vous et dans vos rangs, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui ont pris conscience de l'inefficacité de votre action et du caractère vain de vos démonstrations. Reconnaissons-le, mesdames et messieurs les députés mélenchoniens, l'affiche ce soir n'est pas très enthousiasmante, mais nous sommes là, car il faut bien accompagner cette boulimie de motion de censure qui s'est emparée de vous depuis un mois. Soyons honnêtes, vos motions n'ont aucun sens et vous décrédibilisent. Soyons sérieux. Pensez-vous vraiment qu'avec une minorité parlementaire, vous allez remplacer la majorité actuelle? Vos méthodes divisent, même au sein de votre propre camp. Elles sèment le trouble, acceptez-le. Plus personne n'entend et ne comprend votre opposition de posture comme celle d'aujourd'hui. Sans surprise, vous faites des gammes sur l'usage du 49-3 en l'assimilant à un soi-disant déni de démocratie.
Mais faut-il une fois encore vous rappeler les heures passées à débattre de plusieurs articles et de nombreux amendements de ce PLFSS, en commission comme dans l'hémicycle ? Faut-il une fois encore vous rappeler vos déclarations qui, d'entrée de jeu, avant même que l'ouverture de l'examen des articles démarre, vous ont amené, mesdames et messieurs les cosignataires de cette motion, à clamer que peu importe la nature des débats que nous aurions eus, peu importe les avancées qui pourraient être celles amenées par la discussion, vous voteriez, quoi qu'il arrive, contre ce PLFSS. Au bruit et à la fureur, au bruit et à la fureur, au bruit et à la fureur dont vous êtes maintenant coutumier aux yeux des Français, vous Madame ajoutez Fiat, la volonté de bloquer la mise en œuvre des politiques publiques et le fonctionnement de nos institutions. Alors oui, dans ces cas-là, le 49-3 est une réponse constitutionnelle qui fait primer l'intérêt général sur les polémiques sans fin, car il permet de dépasser les blocages et les guérillas politiciennes pour donner à notre pays un budget, en l'occurrence, pour nos politiques sanitaires et sociales. Car c'est bien de cela dont il est question ce soir, le financement et les recettes de la sécurité sociale. Cette matière devrait faire appel à votre responsabilité plutôt qu'à une opposition radicale et de principe comme la vôtre. Le financement et les recettes de la sécurité sociale sont un sujet qui mériterait que nous ayons pu avoir des débats constructifs, les plus constructifs possibles. Quelques chiffres quand même qu'il faut rappeler sur ce PLFSS 2023. C'est près de 600 milliards d'euros engagés pour la sécurité sociale par ce gouvernement. C'est 600 milliards d'euros pour la santé, pour les familles, pour la prise en charge du handicap, pour l'autonomie, pour la dépendance. Et nous le rappelons, et ça a été dit par le collègue Vigier, c'est plus que le budget de l'État. Même si vous ne le mentionnez pas, le budget des établissements de santé, c'est plus de 100 milliards d'euros et c'est inédit. Cette semaine, ici même, Monsieur le ministre de la Santé, François Braun, dans la poursuite de son dialogue avec les hospitaliers, a annoncé d'ailleurs une augmentation de l'ONDAM pour 2022 de 543 millions d'euros. Nous ne pouvons que saluer cet engagement face à une nouvelle vague à laquelle nous faisons face. C'était une demande des hospitaliers et les hospitaliers ont été entendus. Alors oui, ce gouvernement agit, et je veux le dire, avec clarté et fermeté ici ce soir. Cette troisième partie du texte, les recettes pour 2023, qui sont l'objet de notre discussion, sont porteuses de réformes. Le texte que nous propose au gouvernement, enrichi par les propositions du Sénat, permettra de mettre en œuvre des mesures très attendues, notamment la prolongation du dispositif d'exonération de cotisations pour les salariés saisonniers agricoles. Il est également porteur de solutions concrètes comme l'exonération des cotisations retraite pour les médecins en cumul emploi-retraite en 2023, qui encouragera de nombreux médecins à continuer leurs activités l'année prochaine. Je tiens également à saluer l'ambitieuse politique de prévention qui, dans cette partie du texte, est portée par les mesures de lutte contre le tabac auxquelles nous souscrivons pleinement. Notre groupe portera une attention particulière au rapport qui sera remis au Parlement sur la fiscalité et aux nouveaux produits du tabac et aux évolutions législatives à venir, notamment les puffs, véritable fléau chez nos jeunes. Les députés du groupe Horizon et apparentés ont proposé une vingtaine d'amendements, des mesures de transparence et de maîtrise des dépenses publiques, tout en permettant un accès égal à la protection sociale et à la santé. Le groupe Horizon et apparenté a pris ainsi pleinement sa part à la construction de ce PLF 2023 et nous nous félicitons notamment que le dispositif de sécurisation des juniors entreprises que nous avions proposé dès la première lecture et la réécriture des dispositions sur le médicament sur lequel mon collègue Paul Christophe a été très impliqué ait ainsi été reprise dans le texte qui nous est proposé. Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité est issu d'un beau travail parlementaire, de dialogue avec le gouvernement, de dialogue avec le Sénat, de dialogue avec l'Assemblée et enrichi de propositions émanant aussi des oppositions. Bien sûr, il y a beaucoup de chantiers à mener. Le CNR Santé doit structurer effectivement la réflexion, mais aussi des propositions que l'on attend avec impatience sur des sujets structurants. Et le ministre sait à quel point sur ces sujets j'y suis attaché, sur des sujets structurants, le financement et notamment la régulation plus ferme des dépenses de santé, l'attractivité des carrières, la gouvernance du système de santé, l'allègement de la bureaucratie. Ça a été évoqué par Philippe Vigier. Mais aussi une réforme qui ne s'intéresse pas qu'à l'hôpital, mais qui emmène l'ensemble des acteurs de santé, tant les enjeux sont nombreux. Allons vers un système qui fasse confiance aux acteurs de terrain. Allons vers un système qui passe d'une culture de défiance, parfois, du contrôle tatillon, souvent, et de beaucoup trop de jacobinisme vers une culture de la confiance et de la responsabilisation des acteurs. En conclusion, Madame la Première ministre, le 49-3 n'est pas un déni de démocratie, mais un outil de stabilité de notre 5e République. Dans l'impossibilité de mener des débats apaisés pour finir cette discussion, la voie de la responsabilité sera toujours celle de ce gouvernement et de la majorité à laquelle nous appartenons. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, le groupe Horizon et apparenté vous renouvelle non seulement notre soutien, mais ne votera pas cette motion de censure. Très bien.
Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est aujourd'hui le Black Friday et à l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement s'y met. C'est le 49.3 en promo. Deux pour le prix d'un en une journée, certainement, car nous ne sommes pas dupes. Vous apprêtez ce soir ou demain matin à nous imposer un nouveau 49.3 pour la suite du PLFSS. Alors il faut le dire, Madame la Première Ministre, la multiplication des 49.3 décrédibilise le fondement constitutionnel de l'engagement de votre responsabilité. Vous caricaturez le Parlement, vous caricaturez vous-même. Ce sont bien vos 49.3 à répétition qui poussent les parlementaires à déposer des motions de censure à répétition pour marquer notre opposition sur le fond comme sur la forme. Nous perdons notre temps par votre faute, qui serait bien plus utile aux Français en débat, fût-il le reflet de nos visions divergentes de la société. Votre gouvernance, Madame la Première Ministre, pourrait se résumer en un mot, finalement, c'est empêcher. Empêcher le débat par tous les moyens. Vous empêchez les députés de faire des propositions, de les discuter, de les voter. Ce compromis que vous faites semblant de rechercher, vous ne lui donnez jamais sa chance. Hier soir aussi, c'est cette politique de l'empêchement que vous nous avez donné à voir, alors que nos collègues de la France Insoumise avaient inscrit à l'ordre du jour de leur niche parlementaire un texte sur la réintégration du personnel soignant non vacciné. Votre majorité, et plus grave, votre gouvernement, ont préféré empêcher que le débat ait lieu par des prises de parole intempestives, des amendements de dernière minute, et oui, ce fut un véritable déni de démocratie. En réalité, vous gérez les crises politiques comme vous gérez les crises sanitaires. La démocratie vous dérange et vous préférez le déni. Lundi soir, le gouvernement engageait pour la cinquième fois depuis l'ouverture de notre session sa responsabilité sur un texte budgétaire. Notre groupe regrette profondément que nous en arrivions une fois de plus à ce moment, car ce que nous défendons, ce n'est ni plus ni moins qu'une vraie démocratie parlementaire, et non cet enchaînement d'incidents qui fragilise une des institutions majeures de la République depuis la Révolution française, l'Assemblée nationale, et ceci par votre faute. Lors de votre intervention à la tribune cette semaine, Madame la Première ministre, vous avez justifié l'utilisation du 49.3 par deux points. D'abord, le trop grand nombre d'amendements déposés sur le texte, impossible à examiner dans le temps imparti. Mais pardonnez-moi, il s'agit de publicité mensongère, pour filer la métaphore commerciale, de contrefaçon d'arguments, car il n'a jamais été prévu dans l'agenda de notre Parlement le temps nécessaire à l'examen de ce PLFSS. Parce que vous saviez, nous savions, tout le monde savait, que vous alliez encore une fois utiliser le 49.3. Sur la réforme des retraites, vous ne pourrez pas passer à la hussarde ainsi, faisant fi de la majorité des Françaises et des Français qui n'en veulent pas. Ils ne veulent pas travailler davantage. Les richesses de notre pays permettent de financer ce droit de vivre une retraite digne et en bonne santé. Ils n'en veulent pas, car ils savent qu'au fond, c'est la seule manière que vous avez trouvée pour financer votre politique inefficace et dogmatique de baisse d'impôts aux entreprises. Mais revenons à notre joli vendredi de braderie. Parce qu'ensuite, vous justifiez l'usage du 49.3 par le fait qu'il serait inutile de refaire des débats qui ont déjà eu lieu. Mais Madame la Première Ministre, vous remettez ainsi en cause toute l'architecture du débat parlementaire dans la Ve République. La substance, c'est la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est la discussion qui se construit au fur et à mesure des débats autour des amendements un à un. C'est vrai, c'est parfois long, mais c'est toujours fructueux. Alors oui, ce principe de la Constitution, oui, il y a le 49.3, mais il y a aussi le bicamérisme, il y a aussi ce principe. Alors je dis, il y a tromperie sur la marchandise. Et décidément, après la soirée d'hier, on se demande s'il ne se serait pas la liquidation du Parlement avant fermeture, puisque selon vous, il ne sert à rien. Et c'était déjà d'ailleurs le projet de M. Macron dans le dernier quinquennat de réduire drastiquement le nombre de parlementaires. Vous, en fait, vous réduisez le nombre de débats possibles. D'autre part, il n'est pas exact de dire que les débats avaient déjà eu lieu. Les députés n'ont pas pu examiner l'ensemble du texte, dont certaines dispositions particulièrement importantes à nos yeux. En effet, en première lecture, nous n'avons jamais pu discuter en séance des rendez-vous de prévention, de l'accès à la contraception d'urgence et au dépistage des infections sexuellement transmissibles, de l'accès à la vaccination,
de l'accès direct aux infirmières en pratique avancée, de la prise en charge des frais de transport sanitaire. Non, je continue parce que c'est long. Des mesures de conventionnement, du nouveau dispositif de permanence des soins et de l'introduction de la notion de responsabilité collective de tous les acteurs, que de sujets. Tant des établissements de santé que de villes, d'ailleurs, de la limitation du recours à l'intérim, de la biologie médicale, de la téléconsultation, etc., etc., tout ce dont nous n'avons pas pu discuter. Alors, il pourra m'être facilement rétorqué que ces éléments seront discutés après, mais en fait non, puisqu'il n'y a pas de session ouverte. Donc tout cela est une vaste mascarade, chacun sait ici qu'il ne débat, il n'y en aura plus. Alors, vous trouvez que, sur le fond, le budget de la sécurité sociale manque de recettes. C'est une excuse qui ne nous convient pas. Pour vous, c'est une belle excuse qui permet d'entamer la traque contre la fraude sociale, alors qu'on attendrait tant de ce gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale. Hein ? Mais là-dessus, il y a quelques ennuis. Celle des entreprises aussi, à qui on donne sans rien demander. Aux pauvres, on impose, aux entreprises, on propose. Et on s'étonne que ça ne marche pas. C'est tout le drame de votre philosophie politique, libérale avec les entreprises privées et de plus en plus coercitive avec les Françaises et les Français. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Alors même que les Français galèrent, que les jeunes continuent de faire la queue dans les files alimentaires, que les inégalités augmentent, on aimerait voir ce gouvernement aussi acharné et consciencieux pour conditionner les aides et taxer les super-profits. Et cette idéologie, c'est la grande braderie du service public qui préfère multiplier les exonérations de cotisations salariales et patronales, quitte à fragiliser notre modèle de protection sociale, afin d'utiliser ensuite l'argument de sa fragilité pour réduire nos droits, et notamment ici, la fin du remboursement des arrêts de travail après une téléconsultation du médecin autre que le médecin traitant. C'est refuser de voir la réalité des déserts médicaux que dans les villes et les villages et dans les quartiers populaires et les villages éloignés. On voit de plus en plus se développer. C'est faire semblant aussi, ce PLFSS, d'ignorer la situation catastrophique dans les hôpitaux dont nos bébés aujourd'hui subissent les conséquences dans des urgences pédiatriques débordées, incapables de répondre à une épidémie pourtant annuelle, attendue, anticipable. Oui, c'est la grande braderie du service public. Le service public, vous l'asphyxiez pour le brader au privé. Vous confierez certainement pour cela beaucoup de missions à vos amis des cabinets de conseil, montrant ainsi votre mépris pour les fonctionnaires qui, eux, connaissent le service public et y sont attachés. Votre gouvernement méprise le Parlement et ses débats, mais il méprise aussi les agents publics. Alors aujourd'hui, si c'est le Black Friday, la grande braderie des services publics, ça dure depuis plus de 5 ans. La marque de fabrique de votre gouvernement, c'est cela, le mépris du Parlement, mais cela a été tellement dit. Alors vous me direz, je ne comprends pas, nous avons quand même retenu un certain nombre de vos amendements, notamment sur le repérage des violences sexistes et sexuelles, vous les écologistes. Mais c'était bien le minimum, en ce 25 novembre, sur ce sujet où vous avez tant parlé et si peu agi. Nous souhaitions le débat, car notre groupe sur le budget de la sécurité sociale a fait et fera des propositions. Ce fut, je crois, encore le cas mercredi en commission des affaires sociales, où les députés écologistes ont contribué à faire évoluer le texte de la présidente Khattabi. Eh bien, nous aurions voulu poursuivre également sur d'autres sujets, notamment du PLFSS. Nous aurions aimé débattre du dépistage des IST pour qu'elles se fassent sans condition d'âge pour tous et toutes, tout comme l'accès à la contraception, d'urgence ou non, car notre position sera toujours la même. Accès aux soins et à l'accompagnement pour tous et toutes, partout, quel que soit l'âge, le sexe, la condition sociale, la situation de santé. Or, sur ce texte, le gouvernement reste défaillant et conserve bien trop largement la logique du stigmate, celle des discriminations, loin de notre idéal d'égalité. Notre groupe ne veut pas, ne peut pas entendre qu'il se situerait dans une logique d'opposition stérile, car cela est faux. Jamais nous ne serons opposés à débattre de nos visions de société, certes divergentes. En revanche, toujours nous nous lèverons quand il nous sera confisqué. Ceci avec toute la mauvaise foi qu'on peut parfois connaître ici. Vous engagez la responsabilité du gouvernement, ce n'est pas rien. Pour un budget dont vous savez bien qu'il n'est pas à la hauteur des besoins parce que vous ne l'avez pas construit en fonction des besoins. Vous l'avez construit en fonction de l'orthodoxie budgétaire. Mais Madame la Première Ministre, après ce déni de démocratie, après ce refus de répondre aux besoins réels de la population, autrement dit après le temps des soldes, il faudra passer à la caisse, mais c'est certainement la République qui le fera. Je vous remercie. La parole est à Madame Soumia Bourouaha pour le groupe GDR.
Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, de nouveau, nous aurions pu avoir un véritable débat de fond sur le financement de la sécurité sociale et de notre système de soins. Seulement voilà, ce débat, votre gouvernement le craint. Plutôt que d'accepter les règles de la démocratie, vous choisissez la fuite à coups de répétés de 49-3. Ou, comme hier soir, dans le cadre d'une niche à coups d'obstruction. Il est quand même absolument pathétique qu'un gouvernement, à ce point démuni d'arguments pour convaincre, se lance ainsi dans de l'obstruction parlementaire. C'est inédit. Et pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que sa majorité est minoritaire et qu'il refuse de discuter, de débattre d'une proposition de loi portant sur la réintégration du personnel enseignant dans le cadre d'une niche parlementaire. Parce qu'il refuse le verdict du débat démocratique. Je crains que vous ne mesuriez pas la violence de l'attitude du gouvernement hier soir et de ses conséquences. En préemptant ainsi l'ordre du jour annuel d'un groupe parlementaire, vous avez fait la démonstration de votre mépris de la démocratie. Ce n'est plus du cynisme, c'est nettement plus grave. C'est une attaque en règle faite aux principes fondateurs de notre République et donc de l'unité de notre nation. En choisissant délibérément la voie de l'autoritarisme politique, vous attisez le plus sombre penchant de l'humanité, celui de la division, celui des oppositions, celui du repli, celui au fond des extrémismes. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec la démocratie. Quand, bien au contraire, notre responsabilité à tous ici est de conforter, de nourrir humblement et avec détermination le débat. Parce qu'il en va de l'avenir de notre société. Le modèle de société que vous défendez, ultralibéral, individualiste et inégalitaire, ne fait pas l'unanimité, ici et en dehors de ces murs. Il est urgent que vous l'acceptiez. L'abstention aux élections est le signe de cette urgence à réinstaurer la confiance en une parole et une action politique digne et crédible. Votre obstruction systématique au débat politique joue le jeu de la désespérance sociale. Vous pourriez reconnaître humblement avoir fait fausse route, mais non, l'humilité vous fait défaut. À la place, vous nourrissez l'arrogance de l'autoritarisme. 49-3, répétition et obstruction sont devenues vos méthodes quotidiennes avec les parlementaires. Et le plus inquiétant, c'est que cette méthode du passage en force n'a pas lieu dans cette Assemblée. Vous la cultivez avec les partenaires sociaux, quand vous prenez la main sur la gestion de l'assurance chômage. Vous l'employez aussi vis-à-vis des laboratoires dans ce PLFSS, quand vous ne laissez même plus la place à la négociation entre eux et l'assurance maladie. En tout lieu de notre démocratie, vous instillez le poison de l'autoritarisme. La réalité est là, implacable. Vous êtes à court d'arguments pour justifier vos choix en matière de santé parce qu'ils sont injustifiables. D'où votre refus au débat, au point de reprocher aux députés d'exercer leur droit constitutionnel d'amendement. La réalité ne vous rend pas grâce, elle vous accable. 21 000 lits fermés sous votre précédent quinquennat, fermeture partielle ou totale des urgences, tri des patients et même des plus jeunes en pédiatrie, creusement des inégalités territoriales et socio-économiques face à la santé, crise des vocations et personnel sous-payé, pénurie des médicaments et j'en passe. Vous nous avez refusé le droit de défendre notre vision de votre projet de loi de financement de la sécurité sociale et vous avez l'audace de présenter comme un texte d'engagement et d'investissement pour notre système de santé. La réalité est tout autre. Il s'agit d'un texte qui tourne résolument le dos aux urgences sociales du pays. En effet, votre PLFSS ne prend pas en compte les conséquences de la pandémie en termes d'évolution de parcours de soins. La pandémie a creusé comme jamais les inégalités d'accès à la prévention et aux soins, mais a également ravivé des marqueurs sociaux forts. Le dernier rapport de l'ADRES confirme ainsi le creusement des inégalités territoriales, mais également socio-économiques face à la santé. À partir de 35 ans, les hommes cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers et cet écart et de 3 ans chez les femmes. Cet écart se creuse selon que l'on vit dans le Nord, dans l'Est ou dans les Outre-mer. Être pauvre multiplie par 3,2 le risque de renoncement aux soins et le contexte de pénurie de l'offre n'arrange rien.
Aurons-nous seulement ce débat sur les moyens de lutter contre la désertification médicale ou aurons-nous de nouveaux droits à un 49-3 ? La crise de l'hôpital, ses besoins en personnel et en investissement, l'inflation qui grève les budgets de l'ensemble des établissements de santé ne sont pas pris en compte. La santé mentale, problématique croissante chez les plus jeunes et les plus âgés, est totalement absente de ce PLFSS. Aussi, si l'on part de ces réalités sociales et des besoins qu'ils impliquent, on s'aperçoit que ce PLFSS n'a pas de stratégie politique en réponse aux besoins de santé. Et bien entendu, même d'un simple point de vue budgétaire ou financier, ce PLFSS évacue d'importantes dépenses à venir et l'ONDAN, une fois de plus, est en vérité historiquement bas. En seconde lecture, quelques heures avant le 49-3, vous avez brandi des amendements abondant d'un milliard de le budget de 2022. Ce milliard est le bienvenu. Et nous avions d'ailleurs défendu quelques amendements abondant les comptes de 2022, mais sans être entendus par vous. Mais le compte n'y est toujours pas, car le milliard de 2022 servira à couvrir les dépenses engagées dans le cadre du Ségur et les dépenses relatives au Covid. Mais le surcoût induit par l'inflation est estimé à 1 milliard par la Fédération hospitalière de France. Lui n'est toujours pas couvert. Quant à l'ONDAN pour 2023, que vous qualifiez d'historiquement haut, il est certes en hausse de 3,7, mais il demeure inférieur à la hausse tendancielle des besoins en santé, qui est estimée à 4% par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Il est également en deçà de l'inflation à 5,8 en 2022 et estimé à 4,3 en 2023. À ce constat, nous devons ajouter que l'ONDAN a annoncé pour les années à venir sera lui aussi drastiquement revu à la baisse, 2,7% pour 2024-25 et 2,6% pour 2026. C'est donc fatalement un budget qui cache de graves économies de dépenses en matière de santé qui, comme toujours, recuse toute source de financement nouvelle. Le 49-3 nous aura en effet empêché d'avoir ce débat. En revanche, il vous aura permis de favoriser les exonérations des cotisations sociales patronales. Ouais. Le PLFSS pour 2023 prévoit aussi une augmentation de 5 milliards d'euros des exonérations sociales patronales qui atteindront 70 milliards d'euros en 2023. Par ce choix, vous continuez à dévoyer le sens et le rôle solidaire de la sécurité sociale et son principe. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Le 49-3, déjà actionné à deux reprises sur ce seul texte, vous a également permis de ne pas prendre vos responsabilités quant à la dette de 18 milliards d'euros de la CADES liée à la pandémie du Covid-19 et que notre amendement en première lecture avait transféré sur la dette de l'État. Vos choix ont une incidence terrible sur les patients et le personnel médical. Optimisation des flux des patients, réduction du temps d'exécution des soins, personnel sous-payé, attente interminable par une prise en charge aux urgences. Ce bilan est insupportable pour notre pays, 7e puissance mondiale, dont le système de santé est en train de s'effondrer sous nos yeux sans que vous n'y apportiez les réponses structurelles nécessaires. Ne vous y trompez pas, le 49-3 dégainé à tout bout de texte ne nous assomme pas. Au contraire, il renforce notre volonté de combattre vos mesures destructrices et austéritaires contre la santé publique. Nous, députés communistes et d'outre-mer, sommes plus que jamais déterminés à répondre du mandat que le peuple nous a confié. Nous ferons coûte que coûte vivre la devise républicaine qui veut que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Et rappelez-vous bien qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, ni Emmanuel Macron, ni son gouvernement. Pour toutes ces raisons, nous voterons à nouveau cette motion de censure. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la
Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons ici aujourd'hui, ce soir, pour un cinquième 49-3, énième 49-3, contradictoire avec vos invitations au débat. Vous nous parlez souvent d'écoute, de bienveillance, vous nous parlez de co-construction, pour reprendre le terme, depuis le début de la législature. Emmanuel Macron a même affirmé qu'il avait changé, mais en réalité, il n'en est rien. Vous êtes dans l'illusion de la communication permanente. Celle-ci étant, nous le savons maintenant très bien, la marque de fabrique du macronisme. D'ailleurs, nous nous souvenons encore de vos grandes consultations, de ces cahiers de doléances dont vous aviez été les grands chantres à la fin des Gilets jaunes. Mais d'ailleurs, que sont-ils devenus ces cahiers de doléances, sans doute enfermés dans des coffres-forts dans les préfectures? Et pourtant, vous vous obstinez. Vous avez décidé de mettre en place le Conseil national de la refondation de la santé. Mais qu'en sortira-t-il, en fait? C'est la question. Qu'en sortira-t-il? Des décisions que vous prendrez, comme d'habitude, seul, en prétextant la concertation au lieu de la négociation. Votre désinvolture est caractérisée. Après l'épisode d'hier, pour ceux qui étaient là, on s'en souvient tous, ça va nous marquer, votre sectarisme est bien sûr évident. Un homme politique de renom, Charles de Gaulle, pour ne pas le citer, disait aux Français qu'il les avait compris. Une chose est certaine, vous n'avez pas compris les Français. En revanche, les Français, eux, vous ont compris, et c'est précisément pour cela qu'ils vous ont mis en minorité lors des dernières élections à l'Assemblée nationale au mois de juin. Avec vos amendements sur la quatrième partie du PLFSS 2023, votre gouvernement rechigne à fournir un travail de qualité au service des Français. Vous proposez des comptes insincères malgré les recommandations de la Cour des comptes. Vous faites des projections sur les années à venir, mais sur la base, il faut bien le dire, d'approximation. Le moins que nous puissions dire, c'est que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, n'est pas correctement calculé. Alors, il y a trois options. Ou vous avez du mal avec la gestion des finances publiques, ou vous détruisez volontairement le système de santé à la française, ou vous êtes frappé par ces deux mots. C'est plutôt la troisième option qui correspond à la réalité. En conséquence, il est grand temps de vous arrêter de donner des leçons de bonne gestion de finances publiques. Nous avons l'impression, enfin, on débat tous ensemble, on écoute le gouvernement, mais franchement, moi, des fois, quand j'entends ces bonnes leçons de gestion de finances publiques, j'ai l'impression de me faire traiter d'escroc par Bernard Madoff. Bon, voilà. Mais c'est pas tout. Vous avez souhaité procéder à des jeux d'écriture en opérant des transferts de la branche maladie aux dépens de la branche famille et de la branche accident du travail. C'est un peu la méthode Gérard Majax. Mais les Français ne sont pas dupes, figurez-vous. Ils se souviennent très bien de la volonté affichée par Emmanuel Macron lors de son allocution, on s'en souvient tous, mars 2020, dans laquelle le président de la République nous annonçait le confinement. Le chef de l'État souhaitait que la France, je le cite, retrouve sa souveraineté en matière sanitaire. Mais deux ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on va faire le constat que les principales organisations de pédiatres et d'infectiologues alertent sur de prochaines pénuries qui pourraient frapper les pharmacies. Le manque d'amoxicilline est grand, alors même que c'est un antibiotique, on le sait, fréquemment utilisé. Toutes les conditions sont réunies pour une crise majeure de santé publique en pédiatrie d'ici quelques jours. C'est ce qu'ils indiquent, ce n'est pas nous qui le disons. Parlons à présent quelques mots des déserts médicaux. Dans son rapport du 29 mars 2022, le Sénat relève que plus de 30% de la population française vit dans une zone sous-dense, comme on l'appelle. Alors une question se pose dès lors, quand allez-vous rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins? Le sens de vos priorités comptables est indéniable, en témoigne votre volonté d'augmenter l'aide médicale d'État. Pourtant, l'AME, cette aide réservée aux clandestins, va coûter, écoutez le chiffre, en 2023, plus de 1,2 milliard aux contribuables français. Bravo, franchement bravo. Alors que notre système de santé s'effondre, l'explosion du budget de l'AME de plus de 12%, plus que l'inflation, exige de mettre fin à ce dispositif qui constitue une injustice, une gabegie et un véritable appel d'air migratoire. Vous savez, dans nos circonscriptions, les Françaises ne cessent de nous raconter des histoires toutes plus affligeantes les unes que les autres sur leurs attentes durant des heures aux urgences, vous devez l'entendre d'ailleurs dans vos circonscriptions, tout en nous faisant remarquer d'ailleurs, comme il y a une quinzaine de jours, que l'on a pu élitreiller des clandestins de l'Ocean Viking à l'hôpital. Deux poids, deux mesures, cette situation est mal, très mal vécue par nos concitoyens.
Enfin, le gouvernement envisage de rallonger, c'est juste la réalité des choses, hein. Enfin, le gouvernement envisage de rallonger la durée des études de médecine générale, enlevant du coup une offre de soins et prévoyant l'organisation du transfert de tâches pour les infirmiers en pratique avancée, ayant donc bac plus 5. Autrement dit, les tâches effectuées autrefois par les médecins ayant bac plus 9, on est tous d'accord, pourraient dorénavant être effectuées par des infirmiers ayant bac plus 5. La qualité des soins sera éprouvée et vos choix politiques aboutiront indéniablement à de la médecine low cost, comme l'on dit en très mauvais français. Et ce n'est ni la faute des médecins généralistes, ni la faute des infirmiers, si nous en sommes là, mais c'est tout simplement la vôtre. Il serait bon d'arrêter de gérer la France et son système de santé avec un tableau Excel. Il est vrai que vous le faites depuis tant d'années, peut-être aidé par des experts de chez McKinsey, sans remettre en question votre mimétisme sur vos prédécesseurs, vos amis du PS ou bien vos amis LR. Alors à propos justement des LR, les sénateurs LR avaient cru bon d'incorporer la retraite à 64 ans dans le PLFSS. Peut-être pour plaire à la Macronie, on ne sait jamais, tant leurs positions sont ambiguës. En tout état de cause, il s'agit d'une réforme des retraites tout simplement inutile, qui ne relate que la volonté de plaire aux injonctions, aux fameuses injonctions de Bruxelles. Les retraités sont, visiblement pour vous, une variable d'adaptation au déficit. C'est votre choix de société. Alors, reculer l'âge de la retraite, question, alors que la moitié des personnes partant en retraite ne sont déjà plus en activité, mais relèvent de divers dispositifs sociaux. Cette réforme se fait en fait à somme nulle pour notre déficit et notre dette, donc ne représente à l'arrivée aucun intérêt, sauf celui de se faire bien voir à Bruxelles. Bref, ce PLFSS 2023 est mauvais pour les Français, tout comme la motion de censure de la France insoumise. C'est pourquoi nous ne la voterons pas. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Rapporteure Générale de la Commission des Affaires Sociales, mes chers collègues, 5-49-3 en un peu moins de 7 semaines, 5 motions de censure en un peu moins de 7 semaines. Je crois que nous pourrons tous convenir à l'aune de ces chiffres que notre démocratie parlementaire ne fonctionne pas bien et que nous en portons tous une part de responsabilité, certains sans doute plus que d'autres. Cette situation nous amènera peut-être à conclure que la Ve République, sous la Ve République, l'Assemblée nationale ne peut fonctionner qu'avec une majorité absolue et que, faute de majorité absolue, il faut de nouvelles règles au Parlement. Quoi qu'il en soit, Madame la Première ministre, aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la tête du gouvernement et c'est donc à vous qu'il revient de trouver les voies pour que notre démocratie fonctionne. Or, contrairement à vos prédécesseurs, vous avez fait un usage quelque peu inédit du 49-3, et je vais vous en donner au moins deux preuves en repartant de la première lecture des lois de finances. Depuis 1958, 6 gouvernements ont utilisé le 49-3 sur une première lecture d'une loi de finances. Et jusqu'à présent, ces 49-3 ont toujours été actionnés après un examen complet ou quasi complet du texte. Et cette année, sur la partie, je repars du PLF, mais on pourrait partir sur la même chose sur le PLFSS, sur la partie consacrée aux dépenses de l'État, seules 5 missions budgétaires sur 46, mes chers collègues, 5 missions budgétaires sur 46 ont pu être examinées, et ça sous la Ve République, depuis 1958, c'est une première. Notre Assemblée n'a par exemple pas pu débattre des crédits relatifs à la recherche et à l'enseignement, pas plus que ceux pour la police et la gendarmerie. Quant aux recettes de l'État, il y a dans la première partie 26 articles qui s'y rapportent. Eh bien, nous n'avons débattu que 5 de ces articles. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y avait trop d'amendements. Peut-être. Mais vous savez très bien, mes chers collègues, que le gouvernement peut utiliser l'article 95 de notre règlement et faire en sorte que les articles qui représentent des grosses recettes soient étudiés, examinés en premier. Là aussi, vous n'avez pas souhaité actionner cette possibilité, ce qui fait que, par exemple, la suppression de la CVAE, qui représente quand même 8 milliards d'euros, est passée à la trappe.
Alors, évidemment, vous avez justifié ce 49-3 par le trop grand nombre d'amendements, mais je vous le redis, vous aviez la possibilité de d'organiser le texte différemment. La seconde raison, Madame la Première ministre, tient au nombre d'amendements votés par les députés et qui figurent ou qui ne figurent pas, surtout dans le texte adopté en 49-3. Je reprends toujours le cas de la première partie de la loi finances. 72 amendements ont été votés, qui émanaient des amendements qui avaient, pour certains, un poids certain. Oui, mais vous ne les avez pas retenus. Vous n'en avez quasiment retenu aucun. Et ça, quand on regarde les six fois pour lesquelles des gouvernements ont utilisé un 49-3 sur une partie d'une première loi de finances, c'est une première, là aussi. Alors, on pourrait se dire, les amendements de l'opposition, les amendements sur les EHPAD qui ont été votés avec une majorité, ou encore le dédommagement des frais kilométriques pour les bénévoles, tous des amendements qui venaient de l'opposition, on pourrait se dire, vous les avez refusés. Mais vous avez même refusé celui du Modem qui a obtenu 229 voix pour concernant la taxation des super-dividendes. Là, on reste sans voix. Et donc, vous le voyez, Madame la Première ministre, vous avez fait un usage inédit du 49-3 sous la Ve République. Alors, bien sûr, il appartiendra au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée juridique et de dire si tout ceci est bien conforme à la Constitution. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes le gouvernement qui a le plus dépossédé l'Assemblée nationale de son pouvoir en matière budgétaire, et ça pose démocratiquement un problème. En tant que chef du gouvernement, vous avez aussi la responsabilité de favoriser un débat apaisé. Or, l'image qu'a renvoyée hier soir notre Assemblée est désastreuse. Il y a une responsabilité sans doute partagée, mais évidemment, elle revient en premier lieu au groupe qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de députés au sein de notre Assemblée. Car au-delà des désaccords politiques qui existent entre nos groupes parlementaires, qui sont légitimes et souhaitables dans une démocratie, notre Assemblée repose sur un équilibre entre les groupes majoritaires et les groupes d'opposition. Et une des conditions de cet équilibre s'exprime à travers les niches parlementaires. Ces journées permettent à chaque groupe d'opposition, une ou deux fois par an, ce qui n'est quand même pas beaucoup, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale les propositions de loi de son choix. Or, hier soir, les députés de la majorité et le gouvernement ont fait le choix délibéré de priver d'expression un groupe parlementaire d'opposition, la France insoumise, dans le cadre de la journée qui lui est réservée. À mon sens, Madame la Première ministre, ce n'est ni plus ni moins qu'un dévoiement de l'esprit de notre Constitution et de l'équilibre qui a toujours prévalu entre le groupe majoritaire et les groupes d'opposition. Disant cela, je ne vais pas m'épargner la responsabilité que nous aussi, groupes d'opposition, portons dans le débat démocratique, et je prends cette responsabilité très au sérieux. Le groupe socialiste et apparenté, au nom duquel je m'exprime ce soir, a fait le choix de ne pas signer la motion de censure à chaque 49-3, car nous ne souhaitons pas banaliser l'acte qui consiste à censurer un gouvernement. Mon groupe a aussi fait le choix de ne pas la voter par conséquence. Mais retrouver le sens de la responsabilité doit être un impératif pour nous tous et tous. C'est ce sens de la responsabilité qui a conduit notre Assemblée à voter hier après-midi l'inscription de l'IVG dans la Constitution, avec une formulation qui a résulté d'un consensus. C'est ce sens de la responsabilité qui a conduit la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, à retirer son propre texte, acceptant que celui émanant initialement de la France insoumise et porté par sa présidente Mathilde Panot devienne celui de l'Assemblée nationale. Il y a dans notre Assemblée de rares moments où nous parvenons à dégager un intérêt général qui dépasse nos convictions partisanes, sans les trahir. C'est cet esprit-là que vous gagneriez à cultiver et à diffuser. Madame la Première ministre, vous aimez les mathématiques. Et vous le savez, les nombres ne mentent pas. Sur 1 500 milliards d'euros de dépenses publiques, quelle est à votre avis la part que vous avez accepté de négocier avec les oppositions? Eh bien, je vais vous le dire, c'est moins de 0,05%. Alors, je crois que ce chiffre est sans appel. Madame la Première ministre, notre démocratie ne va pas très bien. Elle peut plier
Face à un État qui s'abîme sous la pénurie de médicaments, sous des EHPAD qui sont au bord de la faillite, sous une production électrique qui est insuffisante. Mais la France a des ressorts, elle a des atouts, et comme le disait Victor Hugo, on peut tout attendre de cette France. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. Et pour terminer, la parole est à Madame Nathalie Bassir pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, nous ne pouvons aborder cette séance et ce débat sans revenir sur les événements intervenus hier soir dans cet hémicycle. La journée était consacrée à l'ordre du jour du groupe La France Insoumise et elle s'était déroulée jusqu'à là dans des conditions satisfaisantes. Tout a dérapé lorsque la majorité et le gouvernement ont été mis en minorité et largement sur la proposition de loi proposant un protocole sanitaire pour permettre la réintégration des soignants et des personnels de secours non vaccinés. Et c'est au moment où le gouvernement lui-même a alimenté l'obstruction par des manœuvres de procédure que la situation a dégénéré. Je suis sincèrement peinée que nous en soyons arrivés là, sur un sujet important, particulièrement pour nos compatriotes ultramarins. Ce texte permettait une sortie par le haut d'une situation qui est devenue intenable. Et je souhaite que l'examen de ce texte puisse aller jusqu'à son terme rapidement. Et je le dis d'autant plus facilement que notre groupe a toujours regretté l'obstruction, d'où qu'elle vienne. Or, voir que le gouvernement lui-même s'y abaisse, quel manque de considération pour le Parlement. Quel mépris pour les droits des oppositions, qui n'ont qu'une journée par an pour proposer des textes. Quel manque de considération aussi, il faut le dire, pour les soignants et les citoyens qui attendaient et regardaient nos débats. Ce texte proposait un chemin de réconciliation sans revenir sur l'obligation vaccinale, je le répète, et reposant sur un protocole exigeant. C'est au gouvernement de créer les conditions du dialogue pour aboutir à des consensus. Et notre groupe a montré qu'il était fidèle à son positionnement d'opposition et de proposition, un interlocuteur valable. Dialogue, co-construction, concertation, il n'en a pas été question dans ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale. En conséquence, pour la troisième fois, vous engagez votre responsabilité en recourant à l'article 49, alinéa 3 de notre Constitution. En l'absence de majorité, ce recours paraissait inévitable. Nous le savions tous au moment où nous commencions l'examen de ce texte. Mais cela ne vous exonérait pas de chercher en amont des points de consensus, au moins sur certains sujets. Cela ne vous empêchait pas de proposer une vraie concertation, cette concertation si souvent vantée depuis votre nomination. Vous l'avez fait et le faites sur d'autres projets de loi. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas sur le budget de la Sécurité sociale? Il s'agit tout de même d'un texte emblématique, d'un passage annuel obligé qui concerne le quotidien de tous nos citoyens. Ce n'est pas un texte anecdotique. Alors, à défaut de proposer un dialogue en amont, vous auriez pu à minima laisser les débats parlementaires se tenir. Pour justifier le 49.3, vous avez invoqué le trop grand nombre d'amendements déposés en nouvelle lecture, 700. Cela ne paraît pas excessif, particulièrement lorsqu'on sait que le débat en première lecture n'a pas eu lieu. Quelle autre occasion se présenter? Et que se passera-t-il à l'issue du vote sur cette motion de censure et de son rejet? Nous reprendrons l'examen de la quatrième partie de ce projet de loi sur les dépenses de la Sécurité sociale. Le débat sera une fois de plus écourté, car nous savons tous ici que vous dégainerez dès ce soir votre quatrième 49.3. Malheureusement, en nous privant une nouvelle fois d'un vrai débat sur l'avenir de la Sécurité sociale, vous nous empêchez de débattre d'un sujet majeur, le financement de notre système de protection sociale. Pourtant, nous aurions à dire sur l'état de nos comptes sociaux qui souffrent encore, et certainement pour longtemps, de la crise sanitaire. Je prendrai un exemple emblématique qui devrait être une priorité, le soutien à l'autonomie. Nous continuons de déplorer la coquille vide qu'est la cinquième branche autonomie,
Si nous voulons répondre aux besoins d'une France vieillissante, nous devrions pourtant trouver à minima 6,5 milliards d'euros d'ici à 2024. Garantir la dignité et l'accompagnement des aînés et des personnes en situation de handicap appelle des mesures fortes. Bien sûr, nous notons des avancées, y compris dans ce projet de loi. Mais quel financement à long terme ? C'est la solidarité nationale qui doit jouer. Or, rien n'est anticipé. Mon collègue Laurent Panifou a tenté en vain de défendre des amendements pour alerter sur un point crucial, celui de la pénurie de personnel, et notamment dans les EHPAD. Les annonces du président de la République, 50 000 créations de postes dans les EHPAD d'ici à la fin du quinquennat, sont partielles. Pour 2023, seulement 3 000 postes sont budgétés, moins d'un demi-poste par établissement. Il faut répondre à la crise de vocation dans les métiers du soin, dans les métiers du lien. C'est la priorité des priorités. Mon collègue David Topiak continuera de vous interpeller sur le sujet des oubliés du Ségur. Ils sont encore nombreux. Ne les abandonnons pas. Je prendrai un autre exemple de ce que nous n'aborderons pas, le système des retraites, pour constater deux choses. D'abord, et c'est tant mieux, vous avez renoncé à faire passer sa réforme dans ce projet de loi. Notre groupe s'y était opposé depuis le début. La concertation que vous menez actuellement avec les partenaires sociaux doit se faire dans de bonnes conditions. Or, le calendrier imposé par le président de la République n'a aucune justification cohérente. Quelle est l'urgence d'une entrée en vigueur à l'été prochain ? Ne refaites pas la même erreur. Concertez et dialoguez réellement cette fois-ci. Et prenez le temps. La situation sociale et économique est déjà suffisamment tendue. Il serait dangereux d'ajouter des tensions et crispations inutiles. Réformer les retraites est un chantier qui nous engage pour des décennies. Il n'y a pas d'urgence. Il y a en revanche deux impératifs. La justice sociale et l'équité. Enfin, l'autre point que je veux aborder à ce sujet concerne les retraites complémentaires. Vous êtes revenu de manière arbitraire sur l'amendement adopté en commission ainsi qu'au Sénat qui a abrogé le transfert du recouvrement des cotisations retraite aux URSSAF en lieu et place de la GIRARCO. Tout cela en dépit des alertes que nous avons formulées sur l'équilibre du système des retraites complémentaires. Et en dépit de l'opposition de tous les partenaires sociaux qui pilotent la GIARCO du MEDEF à la CGT. C'est un sujet technique, mais qui ne doit pas faire oublier l'essentiel. Le risque que l'État mette la main sur l'encaissement de toutes les cotisations et sur les réserves des régimes de retraite, avec la tentation de financer avec cet argent d'autres dépenses. Et tout ceci au détriment des pensions pour lesquelles les Français ont cotisé. Je pourrais continuer ainsi encore longtemps pour évoquer les sujets sur lesquels vous avez tranché arbitrairement. Vous n'avez ainsi que partiellement repris les dispositions que nous avions adoptées contre la désertification médicale pour nos agriculteurs et saisonniers. Pour autant, cela justifie-t-il la multiplication des motions de censure dont nous savons qu'elles ne seront pas adoptées ? Je crois au contraire qu'en les multipliant, leur auteur concourt à les banaliser. Et je vois d'ailleurs, au sein de la NUPES, des divergences s'accroître à ce sujet. Sans surprise, les députés du groupe Liotte, tout en appelant à des inflexions majeures, tant sur la méthode que sur le fond, ne voteront pas cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je prends la parole à ce pupitre à l'issue d'une nouvelle semaine particulière pour la vie parlementaire. Une semaine de contradictions entre souvent des débats constructifs et des majorités larges, et parfois, reconnaissons-le, des échanges d'invectives et des jeux de posture. Il y a 5 mois, en élisant cette Assemblée, les Français ont désigné une majorité et des oppositions. Ils nous ont aussi, et nous en sommes tous convenus,
demandé de travailler ensemble et de construire des compromis. À l'issue de cette semaine, et alors que nous débattons à nouveau d'une motion de censure, déposée quasiment dans les mêmes termes par les mêmes députés issus des mêmes bancs de cet hémicycle, je m'interroge. Je m'interroge et j'inclus dans ma réflexion la majorité, les oppositions et le gouvernement. Que voulons-nous retenir de cette période ? Cette semaine l'a montré, à partir de désaccords légitimes, nous pouvons basculer dans des jeux de rôle, voire des pugilats. Mais je suis convaincue que nous avons encore l'occasion, et je dirais même, chacun avec nos convictions, la volonté, de répondre à l'attente des Français et de faire de cette Assemblée l'épicentre du compromis. Mesdames et messieurs les députés, je ne me résous pas à la litanie des 49-3 suivie des motions de censure. Alors même que sur ce texte, comme sur bien des aspects du PLF, nous partageons des objectifs et des idées, comme l'augmentation de 43 milliards d'euros du budget de la santé depuis 2019, avant la pandémie, qui comprend un soutien renouvelé aux hôpitaux ultramarins face à des difficultés particulièrement lourdes, comme le tournant de la prévention, comme le renforcement des moyens pour l'autonomie pour les personnes fragiles. Je ne m'habitue pas aux accusations de passage en force qui minorent le travail parlementaire et les avancées portées sur tous les bancs de cet hémicycle. Le texte sur lequel j'ai engagé la responsabilité de mon gouvernement n'est pas un copier-coller du projet de loi initial. Il a été amélioré grâce aux travaux de l'Assemblée nationale. Je pense au cumul emploi-retraite pour les médecins ou encore aux exonérations de charges pour les emplois agricoles. Il a été enrichi aussi grâce à vos collègues sénateurs. Et je pense notamment sur cette troisième partie à une mesure pour inciter les employeurs à proposer des rachats de RTT à leurs salariés. Mesdames et messieurs les députés, je ne m'habitue pas non plus et je ne m'habituerai jamais aux attaques ad hominem, aux procès d'intention, aux contre-vérités et aux excès. Depuis près de 30 ans, jamais l'Assemblée nationale n'avait connu une telle configuration. Alors oui, des habitudes sont ancrées, des réflexes persistent qui ont tendance à organiser les débats pour montrer les différences plutôt que de trouver des convergences. Et il est tellement facile, Madame la députée Fiat, et il est tellement facile, Madame la députée... Est-ce que vous pouvez laisser s'exprimer, Madame la Première Ministre, s'il vous plaît ? Bien, oui. Chacun son tour. Il est tellement facile, Madame la députée Fiat, après les manœuvres dilatoires de votre groupe, pour examiner subrepticement un texte important en renonçant à trois propositions de loi que vous aviez pourtant présentées comme majeures, d'accuser la majorité d'obstruction. Madame la députée Fiat, Monsieur le député Neuder, Madame la députée Taillé-Polian, Madame la députée Bourroua, Madame la députée Bassir, vous n'appréciez pas que la majorité maîtrise aussi bien que vous le règlement intérieur de votre Assemblée. Car oui, sur le fond, nous ne partagions pas la proposition du groupe Insoumis. Car oui, nous respectons le travail immense des millions de soignants, l'immense majorité qui, conscient de leur responsabilité et de l'exigence de protéger les patients, se sont fait vacciner car ils croient en la science et à la raison. Et je dois vous dire une chose. J'ai entendu hier sur certains bancs des propos glaçants sur la vaccination, sur ce progrès offert par la science. Discréditer la science ou la chicaner, ce n'est pas exalter les facultés mystiques de l'âme, c'est les appauvrir, au contraire, et les égarer. Disait Jaurès. Appauvrir et égarer, mesdames et messieurs les députés, je crois précisément que c'est l'inverse du débat démocratique. Mais pourtant, j'en suis convaincue, il n'y a pas de fatalité à ce que les débats se bloquent quand certains thèmes sont abordés. J'en suis convaincue, nous pouvons trouver des points d'accord, même sur les textes financiers. Nous devons pouvoir débattre de tous les sujets, même les plus difficiles, même les plus clivants, dans le respect et la sérénité. Mesdames et messieurs les députés, cette conviction que nous pouvons construire ensemble, je la tiens de vous. Je la tiens des avancées que nous avons réalisées ensemble. De cette semaine, je veux retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous parvenons pas à pas
à construire cette nouvelle méthode qu'exigent les Français. Cette semaine, c'est le vote. L'essentiel, c'est le vote à une très large majorité de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur et donc des moyens supplémentaires pour la sécurité des Français. L'essentiel, c'est l'adoption définitive, de nouveau, à une très large majorité du projet de loi de finances rectificative et donc des mesures supplémentaires pour protéger le pouvoir d'achat. L'essentiel, c'est le début de l'examen du projet de loi sur les énergies renouvelables. Les discussions sont constructives. J'ai vu des propositions intéressantes, par exemple sur une planification territoriale renforcée des installations. Et j'ai vu sur nombre de ces bancs des volontés de bâtir et de trouver des compromis. Et mesdames et messieurs les députés, nous avons aussi montré que nous étions capables de dépasser les clivages quand des droits fondamentaux étaient en jeu. Hier, une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution a été adoptée. C'était un texte de la France insoumise et la majorité l'a voté. Vous le voyez, Madame la Présidente Panot, pour notre part, quand nous sommes d'accord, la majorité n'a pas peur de voter avec vous. Mesdames et messieurs les députés, les choses sont-elles parfaites? Certainement pas. Avons-nous encore trop ancré certains réflexes des 30 dernières années? Assurément. Nous avons encore du chemin à faire collectivement, mais nous progressons, nous avançons, nous apprenons, nous devons aux Français du travail commun, nous en sommes capables, nous le montrons. Voilà l'essentiel, voilà ce que je veux retenir de cette semaine, voilà ce sur quoi je souhaite que nous puissions continuer à bâtir, à construire pour les Français et pour notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre. Donc la discussion est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va donc être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 23h37 et la séance est suspendue.
Donc, mes chers collègues, la séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289, pour l'adoption 85. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la troisième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est considérée comme adoptée en nouvelle lecture. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Nous en venons à la quatrième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux dépenses de la Sécurité sociale pour l'exercice 2023. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les députés. Cette quatrième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale a été débattue et adoptée en commission en première lecture. Puis des débats se sont tenus en séance à l'Assemblée comme au Sénat avant que le texte ne soit débattu et adopté en commission en nouvelle lecture. À chaque fois, les débats ont été constructifs et ils ont permis d'améliorer le texte. À chaque fois, les échanges ont montré que nous n'étions pas loin de pouvoir trouver un accord. Alors même que les débats s'apprêtaient à commencer en séance publique, 650 amendements ont été déposés rien que pour cette partie du texte. Des amendements dont beaucoup rouvraient des débats qui s'étaient déjà tenus en commission. Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les discussions. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de dépasser les délais constitutionnels pour l'examen des textes financiers. Singulièrement sur ce texte, je crois que nous avons une responsabilité particulière. Car cette quatrième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ce sont des réformes et des moyens majeurs pour avancer vers un modèle social plus juste et plus protecteur. Ce texte, ce sont 21 milliards d'euros en plus entre 2021 et 2023 pour financer le système de santé. Ce sont des mesures nouvelles et concrètes pour la prévention, des consultations aux âges clés de la vie, un accès simple et gratuit pour les dépistages ou pour la contraception d'urgence. Ce sont des avancées pour améliorer l'accès aux soins par de nouvelles compétences confiées aux infirmiers et aux pharmaciens, et de nouveaux mécanismes pour une meilleure présence médicale à travers le territoire. Je sais que l'accès aux soins est une préoccupation largement partagée sur tous les bancs de cet hémicycle. Nous devons aller plus loin, et c'est un objectif central des négociations qui s'ouvrent entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins. Ce sont des services supplémentaires pour les personnes âgées en perte d'autonomie, avec un renforcement des heures d'accompagnement à domicile et des moyens supplémentaires pour les EHPAD. Ce sont des mesures nouvelles de soutien à la garde d'enfants, notamment pour les familles monoparentales. Ce sont des avancées concrètes pour les Français et pour les professionnels. Ce sont des avancées attendues. Nous devons collectivement permettre qu'elles soient votées. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Mesdames et messieurs les députés, c'est un texte fidèle aux apports de la première lecture à l'Assemblée nationale que je vous soumets ce soir, mais également un texte amélioré sur plusieurs points grâce aux sénateurs. Vous y chercherez en vain quelques mesures que ce soit sur la réforme des retraites, car nous continuons à mener les concertations avec les partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux. Une fois encore, les insoumis ont tenté d'imposer une intox, et une fois encore, c'était un mensonge. Par contre, le contenu des rendez-vous de prévention a été enrichi, l'intérim des professionnels de santé mieux encadré, les modalités de fonctionnement des téléconsultations précisées,
les établissements de santé en sortie de garantie de financement mieux accompagnés, la quatrième année d'internat de médecine générale précisée dans son contenu grâce aux travaux engagés notamment avec les étudiants. Mesdames et messieurs les députés, monter à cette tribune pour engager la responsabilité de mon gouvernement n'est jamais un acte banal. Mais nous avons un devoir de cohérence, un devoir de résultat. Les Français ont besoin de leur sécurité sociale. Ce projet de loi propose des réformes décisives et des moyens majeurs. Alors, en responsabilité, nous devons avancer. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Donc, l'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain, 23h45, est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents sera convoquée lundi 28 novembre à 15h30 pour fixer la date et les modalités de cette discussion. En conséquence, sous réserve des dispositions et des décisions prises par la conférence des présidents, la prochaine séance aura lieu le lundi 28 novembre à 16h et nous commencerons par une proposition de résolution en soutien au mouvement pour la liberté du peuple iranien. Je vous remercie, la séance est levée.